Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous faire un nouveau slime de Noël. Donc la semaine dernière j'avais fait celui-ci qui est très très joli, il a eu le temps de poser pendant un long moment maintenant. Et franchement je suis super fan avec son petit côté perle et son petit côté holographique grâce au petit cœur comme ceci. Je pense que vous les voyez bien à la caméra. Il y en a quelques-uns et ça lui donne un petit côté holographique très brillant, très Noël, que j'adore. Donc là, aujourd'hui, je vais le faire totalement différent sur des teintes vertes et argentées. Donc en fait, je vais faire deux slimes, un argenté et un vert. Et on va voir en les mélangeant ensemble ce que ça va donner. Mais je pense que ça va quand même être très Noël également. C'est un petit peu pour rappeler la couleur du sapin. Et le côté argenté, c'est le côté festif, le côté paillettes et tout. Enfin bref, j'espère vraiment que ça va bien rendre. Pour ce qui est des ingrédients pour le slime vert, il va y avoir du gel pailleté de chez Action. Il va y avoir une petite peinture, donc ça je ne vais pas en mettre beaucoup. Je vais en mettre vraiment une toute petite goutte pour avoir un petit côté vert plus foncé. J'aime beaucoup ce bleu vert comme ça. Ensuite, il y aura des paillettes. Donc il y aura celle-ci. Petit focus et celles-ci qui sont un petit peu plus claires, et il y aura celle-ci, et bien sûr à la fin je vais ajouter des petits rennes comme ceci. Donc là je sais pas si vous les voyez bien, je vais en sortir pour mieux les voir. Donc moi ces petits rennes je les avais eu chez Jiffy il y a super longtemps, mais je pense qu'ils en vendent encore. Ils sont trop mignons, donc ça je vais les mettre à la fin quand le slime sera terminé. Du slime argenté, il y a beaucoup moins d'ingrédients. Il y a un petit gel pailleté comme ceci, de chez Action. Des paillettes également de chez Action, donc bien sûr je vais prendre que les argentés. Et des paillettes comme ceci, encore une fois, de chez Action. C'est parti, donc pour faire mes deux slimes que je vais faire un par un, je vais mettre de la colle Giotto. J'aime beaucoup cette colle, elle est vraiment pas chère. J'aime beaucoup aussi celle de chez Cléopâtre. Hein. Mais c'est vrai que la Giotto est pas mal. Niveau qualité-prix. Je ne vais pas les faire très très grands comme j'en fais deux. Là, je viens ajouter le gel pailleté argenté. On va déjà voir avec ça si j'en ai assez. Je viens mélanger tout simplement pour voir ce que ça donne. Il est très joli et en plus il brille un petit peu en vert, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Donc ça c'est plutôt cool. Je vais en remettre un petit peu. Ok, là je pense vraiment être pas mal. Je viens ajouter les paillettes argentées. Donc là on peut y aller. Franchement, les paillettes pour Noël, il en faut. Donc j'y suis allée généreusement et je vais même en remettre un petit peu. Ok. Et enfin, je viens également ajouter les grandes paillettes. Elles sont très jolies, ça va faire peut-être un petit effet boule de Noël. En tous les cas, c'est ce que j'ai envie que ça fasse. On verra si ça se verra à la fin. Mais là, rien que comme ça, sans l'avoir formé, je trouve ça trop trop beau. Je viens rapidement former mon premier slime. Donc moi, je pense que je vais vous mettre ça en accéléré. Voilà très rapidement à quoi ressemble le premier slime et franchement je suis trop 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 fan, il est super joli. Maintenant on va former le vert et à la fin on mélangera ces deux là pour voir ce que ça donne. Mais franchement je pense que il va être méga top. N'hésitez pas à le noter sur 10 à la fin de cette vidéo. C'est parti pour le slime vert, comme tout à l'heure j'ajoute d'abord ma colle.
et ensuite j'ajoute tous mes ingrédients verts. Je vais commencer par le gel pailleté. Qui a vraiment beaucoup de mal à descendre. Après, j'en ai presque plus. Tant bien que mal, j'ai réussi à en enlever un petit peu. Et je pense en avoir assez. Surtout qu'on a vraiment pas mal d'ingrédients à ajouter. Oui, je pense que nous sommes pas mal au niveau du gel pailleté. C'est très très clair, mais ne vous inquiétez pas. Plein d'ingrédients verts arrivent. Donc là, je viens ajouter ma petite goutte de peinture verte. Comme je vous ai dit au début, je ne veux pas en mettre beaucoup de celle-ci. C'est juste pour lui donner cette petite teinte bleu-vert. Mais je veux pas que ce soit trop marqué. Yes, c'est juste parfait. C'est juste ce que je voulais. Waouh, trop trop beau. Allez, je viens ajouter maintenant les paillettes. Donc celle-ci, que je viens vider totalement. C'est trop joli. Je viens ajouter celle-ci, les plus claires, mais je ne vais pas en mettre beaucoup. Ok. Regardez, je n'ai mis que ça, mais c'est largement suffisant. C'est vraiment super pailleté. J'aime beaucoup. Et enfin, les grandes paillettes. Et maintenant, je n'ai plus qu'à former mon slime. Donc voilà mon slime une fois formé. Celui-ci, je l'ai formé hors caméra. Je vous ai épargné ça. Vous l'avez déjà vu avec le argenté. Et regardez-moi cette couleur. Il est magnifique également. J'aime beaucoup. Dites-moi si vous préférez le argenté ou le vert. J'ai une petite préférence pour le argenté. Même si le vert est magnifique. Et maintenant, on va pouvoir venir les mélanger ensemble. C'est parti, je vais pouvoir mélanger les deux slimes. Donc, je ne cherche pas à les mélanger totalement. J'ai envie qu'on différencie quand même bien les deux couleurs. Je vais juste venir enrouler un petit peu comme ceci. Et voilà, mettre les deux comme ça. Donc là derrière on voit bien le argenté quand même. On va essayer de remélanger un petit peu. Là ça me paraît pas mal et je viens ajouter mes petits rennes. C'est juste parfait. J'aime beaucoup le résultat. Donc voilà, j'espère sincèrement que ce slime de Noël vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis et j'attends vos notes sur 10 dans les commentaires.